Petit extrait, on a entendu Marc-Olivier Fogiel, avec qui vous avez travaillé pendant plusieurs années, pendant trois ans, de 2008 à 2011. Et on est allé voir Marc-Olivier Fogiel, qui est aujourd'hui en face, chez RTL. Et il nous a confié qu'il n'écoutait pas toujours sa radio le matin. Parfois, il écoute Europe 1 pour la revue de presse dans sa voiture. Et il n'est pas tout seul dans sa voiture. Écoutez. Ça va leur faire plaisir. Ce qui est génial, c'est que j'emmène tous les matins ma fille à l'école, hein, et que maintenant elle est en âge de comprendre quand on écoute la radio. Et quand elle écoute Nicolas et qui prend ma voix, elle dit « Mais papa, il fait comme toi le monsieur à la radio. » Et j'ai dit « Bah non, il fait pas comme moi parce qu'il m'imite maintenant très très mal, j'ai changé de voix. » Il dit « Non, non, il fait comme toi papa le monsieur à la radio. » Donc ça a une saveur encore particulière cette année parce que voilà, il y a cette dimension-là. Et d'ailleurs, je lui ai pas encore dit à Nicolas que ma petite fille Mila... Je trouvais qu'il m'imitait vraiment très très bien. C'est très mignon ça, quand même. Très mignon, ouais. Très mignon. Marc-Olivier Fogiel, le vrai, hein, bien évidemment, qu'on est allé voir. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant.